S'il est ton meilleur ami, tu peux lui parler. Le bel ensemble, le bel ensemble, il n'a nous. Tu dis, mon meilleur ami, je n'ai pas honte de le dire ce soir. Naroyo Karalissou sous sonité. Tu es mon meilleur ami. Oh, tu es là dans toutes les circonstances de ma vie. Ah, Nazomo Nanzambango, Abanda Kota la vie n'aura depuis Nabotzama. Je suis en train de voir en image le Seigneur qui était déjà présent dans ta vie quand tu allais à l'école maternelle. Oh, Dieu s'intéressait déjà à ta vie quand tu allais à l'école maternelle. Il a continué à s'intéresser à ta vie quand tu as commencé l'école primaire. Il a continué à s'intéresser à ta vie quand tu as commencé l'école secondaire. Aux anciens humanité, il était là, ce meilleur ami-là. Au côté université, ce meilleur ami-là s'intéressait toujours à ta vie. Au Silici Université, au Luki Moussala, au Bala, au Bota, ce meilleur ami est toujours là. Est-ce que tu peux lui dire un mot ce soir? Oh, le Dieu de toutes les étapes de ma vie. Hey, Dieu, ma étape, n'y en soit bien en rare. Attends, la l'inzala. Attends, la l'inzala, tu sais. Il est là. Il est là, il est là dans ma vie, il est là présent dans ma vie. Alléluia, à Jésus. Est-ce que tu es en train de parler à ton meilleur ami? Alléluia. Que ton cœur lui dise des paroles profondes ce soir. Peut-être que tu peux lui dire ce soir, Jésus na lingara langa, oh Jésus. Oh na lingara, oh Jésus. Alléluia. So ki ote ma si andenga yo, si na kufa kala. So ki ote ma si andenga yo, e si na beba kala. So ki ote. So ki ote ma si andenga yo, e si na beba kala. Oh, so ki ote Yesu. Alléluia. Est-ce que tu es en train de dire à Dieu, so ki ote? Oh, Yesu, so ki ote Yesu. So ki ote Yesu, libota na ma. Mon héros digne de
merci Seigneur pour ce soir. Nada koki kolombo la binembo yo tiaka tia vinanga. Ah Jésus, qui veut supprimer les souvenirs de l'histoire que j'ai avec mon Dieu? Qui peut effacer les souvenirs? Oh Seigneur, personne. Personne ne peut, Jésus. Personne ne peut. Personne ne pourra. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Oh, merci pour ta parole ce soir. Oh, nous la recevons avec joie ce soir. Parce que c'est ta parole qui donne un sens à notre vie. Tobota mana malo baba parents na biso me vie na biso échangeate. C'est quand nous avons commencé à lire ta parole. C'est quand tu as commencé à accomplir tes promesses dans nos vies que vie na biso a sens. Oh Seigneur, alors que nous voulons entendre ta parole, Seigneur. Alors que nous voulons, lors de cette exhortation, connecte-nous à toi, Seigneur. Sois béni ce soir, oh Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons tous ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous acclamons le Seigneur pendant notre séminaire des 40 jours? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà béni? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu la main de Dieu? Peut-être que tes acclamations ce soir sont déjà ton témoignage. Ah, la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous lui rendons déjà grâce pour ce qu'il a commencé de faire durant ces 40 jours, pour ce qu'il fera. Nous l'acclamons, nous lui rendons déjà grâce. Ah Seigneur, tu feras des choses. Tu as commencé déjà à agir. Ah, nous sommes dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre place. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité de communiquer sa pensée encore ce soir. Je bénis le Seigneur pour notre pasteur et tout le comité pour cette marque de confiance. Alors que nous sommes en train d'aborder sur ce thème autour de la confiance au dessein de Dieu, la confiance au projet de Dieu pour notre vie, lundi nous avons compris que Dieu nous connaît depuis notre naissance. Mardi, nous avons compris que nous ne devons pas avoir honte de lui. Et ce soir, j'aimerais vous inviter à lire un texte pour nous partager encore une pensée qui va modifier notre attitude vis-à-vis de Dieu. Alléluia! Nous pouvons prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 4. Luc 4. Nous allons commencer par le premier verset. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Luc, le chapitre 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, où il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant... Alléluia! Où il fut tenté par le diable pendant... Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, verset 6, et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes,
car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Verset 8, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu y es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Verset 11, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 12, Jésus lui dit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et nous disons Amen. Amen. Je bénis le Seigneur ce soir parce que le diable va s'éloigner. Il faut apakatambangu. Alléluia. Il faut que le diable fuit, s'éloigne de nos vies en courant. Et ne reviennent plus jamais. Alléluia. Que le diable court, qui s'éloigne de nos vies, en courant. Ce passage tellement riche nous parle de Jésus, notre Seigneur, qui après avoir été baptisé, sera conduit dans le désert. Et il y a là pour passer des moments en prière, et la Bible nous fait comprendre qu'il a fait 40 jours sans avoir mangé. Alléluia. Et le 40e jour s'écoula, et la Bible dit qu'il eut faim. Et au moment où il eut faim, le diable va se présenter devant lui pour le tenter de plusieurs manières. Alléluia. Et c'est alors que j'aimerais nous communiquer cette pensée. Avoir confiance en Dieu, c'est faire taire le diable. Alléluia. Avoir confiance en Dieu, c'est aussi faire taire le diable. Et j'aimerais que, pendant que nous allons prier ce soir, que Dieu nous donne la capacité de faire taire le diable. Parce qu'il est en train de nous voir, en train de lui envoyer le feu. Il est en train de nous voir prier. Il est en train de voir nos destinées s'aligner selon le dessein de Dieu. Et il est en train de dire, Bozela, Bobimaka kana culte, Bobimaka kana 40 jours, et moi je viendrai. Alléluia. Mais la bonne nouvelle de ce soir, c'est que Dieu va nous donner la capacité de déjouer toutes les tentatives du diable. Alléluia. Bien-aimés, il existe des dialogues dans ce monde. Nous dialoguons avec les hommes. Nous leur parlons, nous échangeons au quotidien. Nous dialoguons avec notre Père Céleste, qui est esprit. Et par le moyen de la prière, nous dialoguons avec Dieu. Nous dialoguons même avec la nature, où on peut entrer dans cet aspect écologique où nous aidons la nature, nous rendons justice à la nature. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous dialoguons aussi avec le diable. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais parler de quel type de dialogue on doit avoir avec le diable. Alléluia. Quand nous parlons au diable, de un, ce n'est pas notre ami. Alléluia. Comprenons ce soir que diable aza moninga na biso te, aza inférieur na biso. De toutes les conversations, les dialogues que nous entretenons avec Dieu ou avec les hommes, avec le diable, quand on parle, il faut qu'il comprenne que nous sommes supérieurs. Alléluia. Donc c'est fini toutes les attitudes de prière,
incertaines, ou toujours sambela, tambe moto me na mutima toujours loba, est-ce que retour à l'expéditeur est koyate? Alléluia. Il faut que dans le dialogue que nous avons avec le diable, qu'il sache avant tout que toza baninga na ete, que Christ nous a fait en sorte qu'il soit à nos pieds. Alléluia. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous comprenons que Yéba, qu'elle aille avant, Aza peut-être a plus d'années que nous. Mais cela n'empêche pas que Bissot, Toza, Bayaya, Nae. Alléluia. À cause du fait que nous sommes des co-héritiers de Christ. Et donc nous bénéficions aussi des avantages d'être les enfants de Dieu, d'appartenir à la famille céleste, mais surtout d'avoir Dieu en nous. Alléluia. Le diable, quand il a quitté, il a été jeté. Quand il est venu dans ce monde, atika nzambe, bebiso nzamba yakofanda na kati na biso. Une présence permanente, une autorité permanente. Alors j'étais en train de dire ce soir que dialogue obisotozana, le diable, c'est un dialogue autour de l'autorité. Alléluia. Osa autorité morale devant le diable. Alléluia. Et c'est ce qui se passe. Vous imaginez que Christ, Azalaki Nanzala, il était affamé. Il sortait de 40 jours. Et le diable en a profité pour lui dire, mais si tu as faim, si tu es le fils de Dieu, et bien aimé, cette formulation-là du diable n'a jamais changé. Il vient, il sait que nous sommes les fils de Dieu, il sait que nous appartenons au Seigneur, mais ça ne l'empêche pas de venir nous tenter. Alléluia. S'il a tenté le Seigneur, il le fera aussi dans ta vie. Mais comprenant avant tout que ce dialogue-là, ça se fait dans l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Alors il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Bien-aimé, la deuxième tentation, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute la puissance, la gloire et les royaumes. Si donc tu te prosternes, Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Troisièmement, il l'emmène à Jérusalem, le plaça haut dans le temple. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi. Et Jésus lui dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé qu'il suffit que nous traversons des moments compliqués dans nos vies pour entendre une voix du diable en nous. Alléluia. Il peut passer par nous-mêmes. Il peut passer par ceux qui nous entourent. Mais bien-aimés dans le Seigneur, comme notre Seigneur Jésus-Christ a réagi, nous devons faire taire le diable. Mais comment? Par la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je viens nous dire ce soir que pour faire taire le diable, il faut toyer balilo banzambe. Alléluia. Le diable nous attendra toujours quelque part. Et je bénis le Seigneur pour l'ancien Mayungayer qui nous a fait comprendre ça. Que chaque épreuve fait ressortir un passage biblique. Alléluia. Et moins nous nous nourrissons de la parole de Dieu, moins nous saurons faire taire le diable. Et notre prière durant ces séminaires, c'est que nous soyons tous équipés par la parole de Dieu. Alléluia.
La victoire se trouve dans la connaissance de la parole de Dieu. La victoire se trouve dans la connaissance des promesses que Dieu vous a faites. Alléluia. Ils lui disent, comme tu as faim, change cette pierre en pain. Bien-aimé, le diable nous proposera toujours des solutions. Mais tant que ces solutions ne sont pas de Dieu, nous devons lui faire taire. Alléluia. Et la façon de lui faire taire, de l'éviter, de refuser ses opportunités, dépendra aussi de notre maturité par la connaissance de la parole de Dieu. Bien-aimé, si l'on vient vous dire que pour que vous réussissiez dans votre vie, vous devez nécessairement passer par l'occultisme, qu'est-ce que vous répliquerez? Alléluia! C'est parce que nous manquons de répliques que nous, enfants de Dieu, nous nous retrouvons encore dans les loges. Alléluia! On vient te dire, voilà, ça ne va pas. Pour que tu aies ce poste, c'est un peu compliqué. La liste a déjà été clôturée. Mais comme tu es une belle femme, tu peux quand même passer par une autre voie pour rencontrer l'autorité et avoir ce poste. Est-ce que tu as la parole de Dieu sur ta langue? Qu'est-ce que tu dirais? Alléluia. C'est parce que nous avons une pauvreté en parole de Dieu que nous succombons aux tentations. Alléluia. On vient vous annoncer que dans votre famille, Bozanabalien, moko compliqué, il y a tellement de limitations que Moutoukou Touakozo a diplôme d'état. Tu dis quoi? Alléluia. 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 Est-ce que tu ne peux pas leur dire que je serai la tête et non la queue? Est-ce que moyen je serai la tête et non la queue? Le diable ne se tait que par la parole de Dieu. Et tant qu'il n'y en a pas une, il continuera. Alléluia. Nous, en tant que chrétiens, les épreuves se répétaient et nous continuons à succomber. C'est parce que nous ne découvrons pas les secrets qu'il y a dans la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas là pour être lue dans l'église. La parole de Dieu, c'est pour être pratiquée sur terrain. Alléluia. Belle famille, baye oyebisa oza oza mwasi mabe oza mutu biente pona nini obotakati. Qu'est-ce que la parole te dit? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que la parole dit? Oyebisio yo oluki musala na ba voix nyo swezoyat. Qu'est-ce que la parole te dit dans cette circonstance? Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu est riche. Nous sommes les hommes les plus riches de ce monde parce que la richesse se cache dans la parole de Dieu. Notre épanouissement, notre victoire nous a été léguée sous forme de testament. C'est pour ça que vous entendez dire Ancien et Nouveau Testament. Le testament est là. Alléluia. Tous aba héritier des promesses de Dieu. Le dessein de Dieu est bien dessiné à travers chaque ligne de cette parole. Alléluia. Et nous devons vivre par la foi. Bien-aimés, avoir confiance en Dieu, c'est garder sa parole. Alléluia. Bien-aimés, le diable nous attendra toujours quelque part pour le faire taire, nous devons connaître la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Et pourquoi nous devons faire confiance en cette parole qui contient les promesses de Dieu? J'aimerais nous partager juste trois aspects. La confiance que nous accordons à Dieu doit être égale à la confiance que nous accordons en sa parole,
qui contient des promesses pour chacune de nos vies. Premièrement, pourquoi nous devons faire confiance en la parole de Dieu? C'est que Dieu tient toujours à ses promesses. Alléluia! Il n'y a pas une seule promesse de Dieu dans la Bible qui n'est pas en mesure de réaliser dans ta vie. Alléluia! C'est pour ça que nous devons faire totale confiance en cette parole. Bien aimé, quand nous méditons la parole de Dieu, ce n'est pas seulement parce que c'est une routine chrétienne, mais c'est parce que nous faisons confiance en chacune des promesses de Dieu. Il y a des promesses pour la postérité, il y a des promesses pour la santé, il y a des promesses pour tout. Alléluia. Dieu tient toujours ses promesses et il ne violera pas son alliance et il ne changera pas ce qui est sorti de ses lèvres. Ça, c'est ce qui est écrit dans le psaume 89, 34 à 37. Il dit, je ne violerai pas mon alliance. Ça, il parlait même des promesses qu'il faisait à David. Mais David, c'est qui aujourd'hui? C'est toi. Alléluia. Il a dit, je ne violerai pas mon alliance. Ce que j'ai dit, toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche s'accompliront. Je tiens toujours à mes promesses. Alléluia. Aucune promesse de Dieu n'est sans effet. Alléluia. Aucune promesse de Dieu n'est sans effet. S'il tient toujours à réaliser ses promesses, parce que ses promesses ont des effets dans notre vie. Parfois, il faut laisser les ennemis parler. Parce que ce qu'ils disent ne s'accompliront pas. Mais quand notre Dieu ouvre sa bouche pour prononcer une seule parole, c'est pour ça que moi je dis de temps en temps, il faut venir dans la présence de Dieu. Parce que c'est le moment où Dieu peut libérer ne serait-ce un mot. Il peut dire un mot et ta vie change. Alléluia. Quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Il ordonne, elle vient à l'existence. Sa parole a de l'effet. Alléluia. Alléluia. Il répand sa parole sur nos vies. Et le souci de Dieu, c'est que cette parole est botabambouma en nous. Qu'il y ait des effets. Alléluia. Les paroles, les promesses qu'il a prononcées depuis janvier, Banda, qui il faut et botabambouma. Alléluia. Oloni ango, il faut boukapé. Alléluia. C'est pour ça que nous allons prier à la fin. Il dit, Dieu, tes paroles doivent avoir de l'effet. Ti novembre, on a zomo naba effete. Alléluia. Nous devons lui rappeler ses promesses parce qu'elles ont de l'effet et parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il ne se repentira pas de chacune des paroles qu'il a prononcées sur nos vies. Alléluia. Et la deuxième vérité que j'aimerais nous partager ce soir pour faire confiance au Seigneur, c'est que Dieu peut accomplir l'impossible. Alléluia. Ses promesses ne concernent pas que les choses possibles aux yeux des hommes, mais ses promesses entrent aussi dans l'agenda des choses impossibles. C'est pour ça, bien-aimé, dans ta vie, hein, quand tu fais ton planning, fais deux plannings. Le planning des choses possibles, mais fais aussi le planning des choses impossibles. Parce que Dieu a envie de réaliser l'impossible. Bien-aimé, quand tu pries, dis Seigneur, voici mon agenda des choses possibles et voici mon agenda des choses que les hommes pensent être impossibles. Choisis lequel tu veux réaliser dans ton dessein. Alléluia. Exploitons la gloire de Dieu.
Dieu fait aussi les choses impossibles. Et la Bible dit dans Luc 18, 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc c'est bien normal que dans notre vie, que de temps en temps, nous rencontrons les hommes qui nous disent que certaines choses sont impossibles. Mais ce n'est pas pour nous une occasion de nous lamenter. La meilleure façon de faire taire cette catégorie de personnes autour de nous, c'est de lire Luc 18. Aux hommes, cela est impossible. Aux médecins, cela est impossible. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Aux hommes, cela est impossible. Dans ma famille, c'était impossible. Mais j'appartiens. Au fait, j'ai l'ADN céleste. J'ai deux ADN. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes peut devenir possible à Dieu. Bien-aimés, regardons différemment les limites. Les limites placées par les hommes, les limites placées dans nos familles. Regardons-les attentivement et disons à ces limites, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Et la troisième vérité, pourquoi nous devons faire confiance en Dieu? C'est qu'il nous a promis le salut. Alléluia. Il nous a promis le salut. Et pensez-vous que le salut, c'était seulement pour notre esprit ou notre âme? C'est un salut qui va dans tous les aspects de notre vie. Et j'aimerais nous inviter à lire pour finir Philippiens 4, 19. Et nous allons prier encore ce soir. Philippiens 4, 19. Est-ce que vous y êtes? Philippiens 4, 19, la Bible nous dit, « Et mon Dieu, alléluia, ah, j'ai même envie de parler en langue. » Est-ce que vous avez compris ce passage-là? Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et prier vraiment avec ce passage? Je veux que tu... Otanga ngomingi, mais ce soir... On va le lire comme une déclaration. Nous voulons déjà prier. Bien-aimés, j'aimerais que tu prennes ta Bible avec moi ce soir. Que tu le confesses. Ne le lis pas juste. Confesse-le. Alléluia. Est-ce que vous y êtes? Vous êtes prêts? Philippiens 4, 19 dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos... » Selon ça, avec en Jésus-Christ. On va reprendre. Et mon Dieu pourvoira à tous vos, selon ça, avec. Est-ce que tu ne peux pas acclamer cette parole? Je ne sais pas si tu as compris. Je ne sais pas si tu as compris ce texte, mais acclame quand même le Dieu qui peut pourvoir dans ta vie avec richesse, avec gloire. Alléluia. Tu acclames le Dieu qui va affecter tous les domaines de ta vie. Le salut qu'il va t'apporter durant ces 40 jours. Ce sera un salut avec richesse et avec gloire pour toucher tous tes besoins. Eh Jésus, bien-aimé, commence à penser à tes besoins. Alléluia. Est-ce que tu es en train de penser à tes besoins? Est-ce que tu es en train de penser à tes insuffisances ce soir? T'as l'âme ce soir, regarde-les ce soir, dis « Eh mon Dieu pourvoira à tous mes besoins
selon sa richesse et sa gloire. Est-ce que Coco semble la bohéna? Pourquoi l'élo? Seigneur, j'ai tellement confiance en toi. Natieli qui en a bon on a raté. Natieli qui en a bon la famille n'a pas sauté. Mais ce soir, j'ai confiance en ce Dieu qui pourvoira selon sa richesse et sa gloire. Ah! Nana yabi kantan zambe. Eh, chez le bossa. Est-ce que notre Dieu a un compte en banque? S'il avait un compte en banque, il aurait combien? Si Dieu avait un compte en banque, il aurait combien dans ce compte? Il dit ce soir, je pourvoirai, je veux pourvoir selon ma richesse et selon ma gloire. Déchez les bolos, est-ce que tu es en train de parler à Dieu de tes besoins? Est-ce que tu es en train de parler à Dieu de tes besoins? Alobi ata ozana banyon rebelé. Il est en train de te secourir selon sa richesse et selon sa gloire. Et Jésus, lequel des hommes a la gloire que Dieu a? Ah Dieu! C'est selon ta richesse et ta gloire. Selon ta richesse et ta gloire. Bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à énumérer tes besoins? Est-ce que Coco bête dans ma boque, on n'a pas quoi l'élo? Jésus, tu vas pourvoir à mes besoins selon ta richesse et ta gloire. Tu vas pourvoir à mes besoins selon ta richesse et ta gloire. Je suis en train de frapper mes mains. Parce que je fais cette prière avec assurance. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Et j'ai confiance en toi. Alléluia. Tu vas pourvoir à mes besoins. Tu pourvoiras à mes besoins. Et je le boli à ma soeur. Tu pourvoiras mes besoins, Jésus-Christ. Et papa, viens pourvoir aux besoins de chacun de nous. Et Dieu, bah étudiant bazana salo, bah parent bazana salo, papa, bah nape bazana barona sale. Les autres nous regardent en ligne. Papa, laisse que tu fasses un répertoire ce soir de tous les besoins que nous avons. Oh Seigneur, il y a de ceux qui doivent payer les factures. Bazana salo, yes. La facture, raison de la vie, son andarku, papa. Tu es en train de dire que tu pourvoiras selon ta richesse et ta gloire. Eh hey, Jésus. Eh hey, barrebe le bosha. Moutouazo yana 40 jours à Zolou Kambongo, yes. Moutouazo à Zolou Kambongo, yes. Tu dis dans ta parole que tu vas pouvoir selon ta richesse et ta gloire. Ah Jésus. Ah Jésus. Bamzouzou Basali, ma projet de mariage. Concrétisation et zate. Mbongwezo Zanga. Dieu dit ce soir dans Philippiens 4, 19, tu pourvoiras selon ta richesse et ta gloire. Nzambe bana bake classe, baso kende kaka par la foi. Mbongo Minerva le coquine en outé. Jésus, tu pourvoiras selon ta richesse et ta gloire. Est-ce que tu peux monter tes problèmes à Dieu ce soir? Oh, Dieu dit ce soir, problème n'y a son mati sans okaka na mwende na e. Arrête de bouche. Ouvre ton cœur ce soir. Parle de ton besoin ce soir.
Parle de ton besoin avec confiance au Seigneur ce soir. Ah, son ciel est ouvert ce soir. Il est là ce soir. Il a ouvert son ciel pour toi. Et Jésus, est-ce que tu as quelqu'un qui est en train de communiquer avec son Père dans les cieux? Jésus, tu peux pourvoir à mes besoins. Ah, Jésus, viens pourvoir à mes besoins. Y a-t-il quelqu'un qui est malade ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui est malade ce soir? Ah, je me rappelle de cette femme à la perte de sang. Oh, elle avait fini toute son économie sans trouver de solution. Ah, Seigneur, Seigneur, révèle-toi à nous selon ta richesse et ta gloire. Nous ne saurons pas expliquer la gloire de Dieu. Ah, mais nous voulons être visités par elle. Et Jésus. Est-ce que tu parles à ton Dieu? Bien-aimé, tu vas maintenant prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force de faire taire le diable. Si c'est un engagement que tu dois prendre ce soir, Dijambe pesanga makasi nakoka votanga bible bien te natangi lundi ti dimanche kaka onga natanga bible kaka samedi chemba tu dis Seigneur pesanga makasi. Ah, bien aimé, yo soko fungoli kaka bible pongie yemba la moko. Est-ce que tu es là ce soir pour dire Seigneur, tu me fais comprendre que ta parole, c'est la victoire dont j'ai toujours eu besoin. Je veux répliquer au diable avec l'autorité que me donne ta parole. Est-ce que tu es en train de demander cette grâce au Seigneur ce soir? Est-ce que tu es en train de demander cette grâce à ton Père? Zambé, kala la zola que dans la Bible. Mais la tika papa. Depuis ma moment difficile et comme l'anga, j'ai arrêté de méditer ta parole tous les jours. Na komalanga kobima sans ta parole. Regarde comment je suis abattu par les moments difficiles. Tika pesanga, dis à Dieu, donne-moi la soif de ta parole. Eh Jésus. Est-ce que tu peux dire, donne-moi la soif de méditer la Bible ce soir? Ah, est-ce que tu peux dire, Seigneur, quand j'ouvrirai la Bible, je veux m'attendre à toi. Je veux que ton esprit me parle. Oh, yonjamba lobela okala, quand tu ouvres ta Bible, est-ce que tu peux dire, Seigneur, tant on refoule la Bible, dans la mi-colonia, que ce soit le jour du rendez-vous. Que ta parole vienne remplacer toutes les paroles que les hommes prononcent dans ma vie. Que ta parole vienne remplacer les promesses que les hommes ont faites et n'ont pas réalisées. Ah, le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu caché dans sa parole. Alléluia. Na mikabi epai na yo na mi bondi okolambeka bona libela akoma. Oh,
Yesu le long amikabie swe.